Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes en 1v1, chers amis. Ah bah d'accord. Au moins maintenant je sais où elle est la sienne. Quel beau potentiel. Voilà, ça c'est fait. Hop. Il a été impatient. Oula. Alors je me suis fait défoncer par un mec qui faisait du airshot hier, donc c'était un peu dégueulasse. Cependant j'ai compris qu'en fait, d'après ce qu'il disait, c'était du airshot, mais en fait non, ça n'en était pas. Vous voyez, c'était en fait du... Merde, je suis mauvais. Écoutez bien. Il est en l'air. Hop les, voilà. Hop. Voilà. Ça fait deux. Si j'en gagne une, normalement, je devrais être en mesure d'avoir mon coffre. Donc faut qu'on aille le premier à 5, chers amis, je vous rappelle en 1v1. Le 1v1, c'est en fait le premier à 5. Bien joué, il m'attendait. J'ai pas été assez rapide pour me mettre en place et il m'attendait. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense, chers amis. J'ai pas été du tout assez rapide. C'est ma faute, hein. C'est uniquement ma faute. Je reprécise, chers amis, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo, vous savez, hier, sur quand est-ce qu'il y aurait... Voilà. Quand est-ce qu'il y aurait la sortie de l'event Noël. Et donc, ce sera bel et bien le 13 décembre. Ça a été officialisé donc dans un tweet de la part de Blizzard. Alors là, il va pas bouger, hein. Je peux vous assurer qu'il ne bougera pas. Et donc ce tweet annonçait bel et bien il est en position. Il s'est mis en position quelque part. Voilà, hop. Bon, ça passe plutôt bien, hein. Et encore, j'étais mauvais, j'aurais largement eu le temps de me mettre en position pour le tirer. Et normalement, avec Chopper, on devrait pouvoir s'en sortir assez rapidement. Bon, ça risque d'être chaud quand même, mais on verra bien. Hop. Et donc, dans cette fameuse annonce... Jouer. Merci. Il
Il est retombé. Voilà. Pouce vert si vous voulez, enfin pouce bleu maintenant, si vous voulez bien la mettre sur la vidéo. On s'est plutôt bien amusé, pour une fois que je me passe à quelqu'un qui est pire que moi. Parce qu'elle est tellement stylée cette mise en scène, enfin entrée en scène. Hop. Voilà. Donc oui, l'annonce qui a été faite, enfin l'annonce que j'ai pu lire sur certains sites internet, c'est qu'il y aurait 4 nouvelles maps, donc je pense en fait aux 3 maps d'Oasis, tout simplement, plus une map PvE, pour l'événement. Je pense que ce serait ça, une map refaite pour l'événement PvE. Bah écoutez, je veux bien y croire, je veux bien y croire, et si jamais ce n'est pas... Bah tout simplement la map de l'événement PVE, ça voudrait dire qu'on ait une nouvelle map mystère qui arriverait. Et après réflexion, quel est le seul mode entre guillemets de jeu qui nécessiterait une map seule, une map unique? Et bah ce serait justement le mode arcade. Ce mode arcade qui en fait ne tourne que sur une seule map, qui est, enfin pour la plupart des, comment, des modes. Oh, du légendaire qui tombe, génial. Oh putain. Ah bah bien. Bon bah les chewing-gums de Diva par contre ça c'est cool. Ça c'est quoi? Ça balance pas mal. Ouais, pourquoi pas. C'est pas celle-là qui m'intéressait le plus. De toute façon, nous, on est en train de commencer. Je suis en train de commencer à emmagasiner de l'argent, chers amis, hein, pour ce... Comment ce... Ce... Cet événement. Parce que je pense qu'on pourra acheter... Vous savez, en fait, toutes les nouveautés de l'événement seront juste 3 fois plus chères que les nouveautés... Enfin, que les skins actuelles. Par exemple, une skin... à 1000, une skin légendaire à 1000, coûtera 3000, comme ça a été le cas pendant l'event Halloween. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur ce qu'il y aura. Bien entendu, je vous ferai dès le départ, hein, très rapidement, dès le 13 sans doute, une box opening de 50 boîtes, hein, sûrement. Donc pour ça, bah, je vais quand même essayer de vous prévenir à l'avance avant d'acheter. Évitez d'acheter, en fait, tout simplement. Bah écoutez, c'est... Ces box, trop tôt, que je puisse vous montrer si ça vaut le coup ou pas. Parce que certaines box ne valent pas le coup et certaines skins aussi ne valeront peut-être pas le coup. Si ça se trouve, l'événement au niveau des skins sera un petit peu trop kitsch pour certains d'entre vous. Personnellement, je vois bien des trucs, enfin, Noël, ça apportera peut-être quelque chose de très très kitsch, hein, si je puis dire. C'est-à-dire quelque chose qui sera très, un peu trop, c'est too much. On verra bien, mais bon. J'ai dû mettre mes fringues à laver. Mais... Ah bah non, c'est parce que oui, c'est mon... J'ai un t-shirt en fait, Flash. Mais il s'est complètement ripped au niveau du... Comment du... Du logo. C'est dégueulasse. Hop. Alors. Je suis censé en tourner 2, mais je sais pas trop... Je verrai bien. Overwatch. Un rect. Un V1. Voilà. Hop, comment il va s'appeler? Pardon pour le micro, chers amis. Crac. Alors, Antarctique, eh ben, je veux bien prendre un petit Anzo. Je prends plus les pics de confiance, hein, j'en ai rien à cirer maintenant. Oh. Oh. On verra bien. Dono, c'est pas le heal de l'équipe, hein. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de réfléchir sur Steam, donc m'ont demandé de réfléchir sur quel genre de personnage je verrai maintenant. Eh ben écoutez, moi j'ai réfléchi un petit peu, et ce que j'aimerais voir comme personnage... C'est un personnage qui fasse des tirs à travers les gens. Eh bien, je suis allé où ? Oh la vache, il m'arrête. Bon, c'était pas la peine que je prenne lui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, un personnage qui tirait en fait à travers les ennemis. C'est-à-dire que. Oh bah, GG les gens. GG. C'est-à-dire des tirs qui ne se contenteraient pas de rester devant l'ennemi. Enfin, de taper dans le premier ennemi, mais qui traverseraient littéralement l'ennemi. Donc, des balles perforantes, en l'occurrence.
Je sais pas véritablement ce que ça vaudrait, mais enfin, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, personnellement. Et donc, avec cette capacité à faire des dégâts de masse, qui serait un des rares personnages à faire des dégâts entre guillemets de zone, hein, je dis bien entre guillemets parce que véritablement ce n'est pas des dégâts de zone, mais on n'est pas nombreux à faire des dégâts de zone à l'heure actuelle. J'ai vu personne. Oh la vache, mais je suis tout seul! Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire à leur spawn? Pourquoi je sers d'appât? Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais prendre une meille et puis je vais faire mon boulot parce que putain. Derrière toi! Ah, il est bon leur notre Macri, dis donc. Ouais. Oh la vache. Oh ils sont bons. Ils sont bons. Franchement, ils sont bien meilleurs que moi. Faut vraiment que je change mon style de jeu. Bon, allons-y. Et restons avec les DPS. Restons avec les DPS, on va bien voir. C'est eux les meilleurs, hein. Clairement, c'est... Je me fais power level. Là, ma box, je l'ai gratuitement. Faut pas que je joue au con, c'est tout. Donc voilà, oui, donc un mec qui tirait à travers les... qui tirait littéralement avec des balles perforantes. Donc pour ça, je verrais bien un mec avec une grosse arme, genre une grosse SMG. Avec une petite canon aussi, vous savez, genre... Merde. Ah ouais, il va laisser faire rect. Ah bah voilà, bah tu sais ce que ça fait maintenant, hein. Ah merde, ils m'ont vu. What? Qu'est-ce qu'il chante lui? Ah. Ah bah écoutez. Alors ça d'entre vous pense que ça sert à rien. Bah écoutez, ça montre juste ma rage. Non, moi ça montre juste que moi je respecte le jeu. Bon, je vais mettre ça. Ça montre juste que je respecte le jeu, moi, au moins. Si je m'engage dans une partie, je la quitte pas. Sauf cas d'extrême urgence, je ne la quitte pas. Ah putain. J'ai pas réussi à les finir. En même temps, le heal, je sais pas où est-ce qu'il était notre heal, mais... Ouais. Svari, t'aurais pas dû prendre ce heal là, là t'étais trop loin. Ah bah il était tout seul maintenant, parce qu'on était tout seul. Ah bah fou, de toute façon il l'avait même pas la game, donc... C'est pas grave. Vive les Russes. Bon, c'est pas grave. Let's do this, men and girls and boys and minis. Ok. Ah, t'as plus qu'à prendre soldat, hein. Ah, putain. Je vais prendre soldat. Va nous falloir du heal, hein. Thank you.
GG. Bah on a rien fait. On a strictement rien fait, on a fait 2 kills. Oh mais il est vraiment... Il me rend vraiment particulier cet homme hein. On est tous avec du bleu. Oh c'est la blue team. Ah la vache. Bon. Ok. Oh. Ah. Ah. La kill cam dégueulasse de la... Oh, je suis mort à chaque fois sauf à la dernière. Pathétique. J'ai été pathétique, chers amis. Ok. Hop. On n'a plus qu'à quitter. Et on repart dans ce mode là. Parce que de toute façon, les autres, ils sont trop longs à attendre. Donc je vous ai déjà fait les spéculations sur, tout simplement, tout ce que j'attends de cet événement, pardon. De cet événement. Noël, j'allais dire Halloween, pardon, excusez-moi. Oh là là, ça va plus dans ma tête, moi. Donc, bah écoutez, j'espère qu'on trouvera véritablement des choses intéressantes. J'espère que ce sera pas trop kitsch, honnêtement. J'ai peur que ce soit un peu trop kitsch, genre, par exemple, un Genji avec une skin serre. Ça serait débile. De toute façon, la skin serre, pour moi, je la verrai que sur... la skin serre, je la verrai que sur Reinhardt. White, ah bah tiens, White. Et Svari en face, ok, cool. Bah écoute... Hop. Alors, j'ai des problèmes de souris, chers amis, récemment. J'espère que ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller. Ah, il a le golden... bon. Putain, mais je suis pas aidé. Hop. Kill him. What the fuck, man? Ah. On va répondre comme il parle hein. C'est débile par contre. Ah, pas bien. Oh mais t'es sérieux? Bon. Il serait peut-être temps de prendre des pics viables parce que là ça va pas. Du coup. What the fuck? Eh bah tiens, je te pique un healer. Voilà. Voilà.
C'était gros comme un camion, hein. Et pourquoi je le fais? Pourquoi je les écoute? Pourquoi j'écoute les joueurs qui sont avec moi? C'est, je comprends pas. Qu'est-ce que je, comment je peux être con à ce point, quoi? Donc il a réussi un grab. Dude, just take fire, man. Take fire. Pourquoi je l'écoute? Pourquoi je l'écoute? Pourquoi je l'écoute? Pourquoi je l'écoute? Où est-ce qu'elle est? What? J'ai rien fait! Bon bah écoutez. Oh. Je fais vraiment que de la merde sur cette game. Je fais vraiment que de la merde. Waouh. On va voir s'ils respectent ce qu'ils ont fait depuis le départ. Et non. Merde, je l'ai loupé. Mais merde, je suis mauvais. Mais t'es où? Putain, bah j'ai tourné autour d'eux tous. Blah. Rect. Rect. Bon. J'ai été très très mauvais. J'ai été un handicap. Je reconnais que là pour le coup, j'ai été un handicap. Je sais pas si je peux quitter maintenant. Si, je peux quitter maintenant. Parfait. Ok. Sinon ça m'afficherait le message. Si vous quittez la partie, vous êtes sujet à avoir des problèmes. Bon bah écoute. Ça fait combien de temps que l'épisode il est commencé? 23 minutes, avec la partie là ça pourrait être un peu juste. Eh ben écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!